Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes, des systèmes de passation des marchés. Vous êtes en train de penser à parler de l'échéance au niveau de l'ECC pour le niveau national. Parce qu'au niveau de l'ECC Kinshasa, les assises ont eu lieu en décembre, tout était bien passé. Et nous sommes maintenant, ça c'est vraiment une actualité importante pour nous, les protestants et les protestantes, pour prier pour cela. Et pourquoi pas aussi apporter tout ce qu'on peut apporter pour la réussite des assises déjà convoquées conformément au texte de l'ECC par le président national. C'est du 6 au 13 août 2023. Si je calcule bien, c'est plus ou moins 3 mois avant les échéances de politique au niveau national. Il y aura des assises de l'Église de tout ce qu'on connaît. Ce sont des assises qui principalement voient la vie de l'Église, essentiellement comment l'Église fonctionne. Mais également, comme l'Église de tout ce qu'on connaît est une Église protestante, où les gens se réunissent en assemblée en synode, où les responsabilités sont assumées collégialement. Il y a toujours ce qu'on appelle un cycle électoral normal. Et le président national, Bukungoa, a eu ce souci depuis son élection et c'est ce qui s'applique, qui se force à appliquer essentiellement et au niveau de promesses, même la ville capitale qui est une promesse urbaine, mais également au niveau des communautés. Quand on est fin mandat, il faut qu'il y ait des assises, qu'il y ait de nouvelles élections. En dehors du fait qu'il y a la vie de l'Église qui doit être passée en revue, nous sommes dans un système de mandat de 6 ans dont le synode se réunit chaque 3 ans. Donc, au fait, c'est toujours agréable, comme la Bible dit, que les frères et sœurs se retrouvent ensemble. Moi, je dis que vous, les chrétiens, ce sont les moments de fête, bien que les gens mettent tout l'accent sur les élections, mais ça aura lieu, c'est convoqué. Parce qu'il y avait d'autres députés, ça ne sera pas convoqué. La date est connue, je profite par cette occasion, ce micro que vous tendez pour appeler toutes les protestantes, tous les protestants en général, et particulièrement les Kinshasa, de prendre cette date-là en intercession d'ici ce 13 août 2023, mais aussi de se mobiliser pour une bonne réussite. Et surtout, ça va se passer à Kinshasa. C'est-à-dire que nous sommes concernés, mais nous recevons, et tout le monde, les gens viendront de toutes nos provinces. Et un point important, l'ECC garde encore ses 11 provinces. Bien que le pays a le merci province à tout sentir politique, tout le monde viendra ici, nous réservons leur un bon accueil à travers avant tout la prière et tous les soucis importants que nous pouvons apporter à nos bien-aimés pour que tout se passe bien. Monseigneur, aujourd'hui, comme vous le savez, l'ECC se prépare pour l'échéance électorale pour élire son représentant légal, mais également son président. Alors, est-ce que en dessous des cartes, il y aura déjà le rival à l'actuel président ou bien il sera candidat à sa propre succession? Comment ça se passe les mandats? Vous savez, c'est une bonne question. Je suis content de cette surprise. J'aimerais en parler non seulement avec un fils de l'Église, comme un fils de l'Église, né dans l'Église. Moi, mon grand-père maternel est petit pasteur et nous sommes nés dans les collines jusqu'à des responsabilités que nous avons. Mais également à l'UPC comme enseignant, ça fait 23 ans d'enseigner l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, c'est bien de vous présenter président de l'ECC Kinshasa. Et c'est pourquoi j'insiste sur cela avant de te répondre. Avant de devenir président, je fais des mandats successifs, même d'autres doux. Vice-modérateur, modérateur, vice-président et maintenant président. Donc c'est une manière seulement de te dire qu'on connaît comment les choses doivent se passer. Mais je profite également de ce micro pour attirer l'attention des gens que les élections au sein de l'élite ne se passent pas comme dans le milieu politique que vous voyez. Donc, déjà, de par les textes, c'est-à-dire qu'il faut avoir une maîtrise de la Bible, du statut et règlement. Le statut et règlement, déjà avec cette convocation qui semble être anticipative, mais c'est conformément au texte, autant de mois avant la date, il faut signaler. Même nous, pour faire en décembre, on a signalé 2 mois avant. Parce que on pouvait se dire, moi je suis là, les gens sont occupés à autre chose, on ne dit rien. Et avec, vous savez, les expressions d'églissement. Non, l'honnêteté, l'église, avec ce que nous rappelons aux politiques, vous devez être modèle vous-même en cette matière-là. Donc déjà, tout le monde connaît la date, deux mois avant, et tout le monde se prépare. Le président Bukungoa, pour son cas, quand vous posez la question précisément, a fait un mandat. Mais au niveau de l'ECC, conformément au texte, on a droit à 2 mandats.
Et quand quelqu'un a bien travaillé, on ne voit pas de mal pour qu'il n'ait pas un autre mandat. Donc, bien entendu, il y aura d'autres personnes, mais la procédure de l'Église fait de sorte que vraiment, après la prière, le temps de prière, on a une bonne méthode qui est même différente de celle que les politiciens font. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, même des protestants qui ne connaissent pas la procédure. Ils disent quand est-ce qu'on dépose les candidatures, ainsi de suite. Non. À l'ECC, comme Église, ça ne se passe pas de la sorte. Les délégués viennent. Ils viendront de toutes les provinces, les 11 provinces et pays ici, mais aussi de 95 communautés, nécessaires 95 communautés. Ceux qui seront bien sûr en ordre, en raison de 4 délégués, il y a des présidents de... Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.